Donc, pour notre premier jour de camping depuis très 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 longtemps, qu'est-ce que tu nous fais comme surprise là? Là, je mets un style de brise-vue. Ouais. Ça, en fait, comme son nom l'indique, ça brise la vue. D'accord. T'as acheté ça où? Je crois que ça vient du sud du Galles, me semble-t-il. Ok. Alors, est-ce que ça va tenir ton truc? Ah oui, après, en fait, il faut... Il nous fait un château fort. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être à deux. Eh ouais, mais je peux pas, moi, je filme. Comment tu fais si t'es célibataire? Tu peux pas le mettre, alors? Il faut vraiment que je vienne, c'est ça? Non, mais... Ici, si je l'ai pas mis à l'envers. Parce que nous, le problème, c'est que une fois qu'on s'est bien pris la tête, on finit par regarder le mode d'emploi. Salut les amis. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur un lieu où nous étions avant la compétition de tir à l'arc. C'était la veille, hein, me semble-t-il, enfin deux jours avant. Et c'était dans le village Le Long. Dans la Somme, vous allez y voir un montage assez folklorique d'un paravent qu'on a acheté dans une petite surface. Et vous allez y voir également une jolie balade dans des marais et un petit peu le village. Voilà, allez, c'est parti. Ça fait bien en bas. Je vous signale que là, je suis en train de filmer dans la Somme. Vous avez vu ce ciel bleu? Ben, à mon avis, ça va pas durer. Parce qu'ils ont prévu pluie, averse, orage dans les jours qui arrivent. Mais, vous voyez? Les piquets sont à l'envers. Les piquets sont à l'envers. Allez, rejoue encore. Après, on saura, hein? Eh oui, c'était à l'envers parce qu'en fait, le pic au bout va servir de sardine dans l'œillet du haut. Ouais. J'essaye de montrer l'œillet. Hop. Et voilà. Oye, oye. T'as la saoulée. Et ça va bien tenir ton truc. Bah, logiquement, ça marche, ça tient que sardine. Ah, parce qu'elles sont serrées. Non, 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 non. Mon homme, il cherche un marteau pour planter les sardines, mais dans la Somme, je pense que... Elles sont là, les sardines? Ouais. Mais dans la Somme, je pense que... Le terrain est un peu plus mou que dans le sud, mon cœur. Tu crois? Oh oui. J'ai prévu l'humidité. Non, non, on va pas avoir besoin de ça ici. Il n'a pas pris de marteau. Si j'en ai pris un, c'est une masse. Carrément, la masse pour une sardine de quelques millimètres. Je la sens mal, la sardine. Comme vous le voyez, ce petit panneau de rien du tout, le bazar qu'on est en train de mettre pour l'installer. Au secours! Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, promis, on a fini par y arriver. Enfin, il a fini par y arriver. Mais ça nous a trop saoulé. Ça nous a tellement saoulé que j'ai pas continué à filmer. Sinon, pour voir le résultat, voilà, ça fait ça. Ouais, en fait, ça m'a saoulé le montage. J'ai réussi à le monter. Et puis, dès qu'on a fini, on est parti se balader dans les environs de la Somme à vélo. Ah, à vélo. On a fait une belle balade et puis on est revenu. Il est toujours monté. Donc, c'est que ça tient. Bon, en fait, on s'en est même pas vraiment servi. Quoi. On s'en foutait. Comme il y a des gens en face, c'est juste pour avoir une petite intimité. Quoi.
Ouais, mais comme on a fait pratiquement que de la balade, puis on est reparti le lendemain matin, en fait. Bon, en gros, on a essayé le Schmilblick, quoi. Voilà, il est toujours dans la soute, maintenant. Mais tu le valides ou pas? Oui, c'est bien, c'est, franchement, ça va. Ça monte à combien de hauteur? Je ne me rappelle plus. 1m20. 1m20, ouais, donc c'est vrai que si on est vraiment proche, s'il y a des voisins très proches, ça peut aider, quoi. Ça peut aider pour faire une cile de douche extérieure pour les enfants ou... Ou pour nous. Pour nous, 1m20, ça fait un peu juste. Ouais. Si on s'assoit sur une chaise, on ne peut pas nous voir. Ouais. Je vois bien le tableau. Bon, allez, on part pour la balade alors. Allez, c'est parti. Juste à la sortie du camping à Long dans la Somme, à côté du site, enfin du village où il y aura la compétition. Je suis à 50 cm du cygne. Je ne me suis jamais approchée aussi près d'un cygne. Mais bon, il n'y a pas moyen, il ne veut pas quand même. Et il a bien raison, on ne sait jamais s'il y en a qui lui font du mal. Les coin-coin, je viens me baigner avec vous, les coin-coin. Ouh, les coin-coin. Alors là, à vélo, nous sommes dans des marais. Et en fait, j'ai vu plus loin qu'il y avait marqué l'eau de pêche. Donc, bon, je ne peux pas filmer en vélo parce que je serai de suite par terre, me connaissant. J'arrive pas à rouler droit en vélo, on dirait que je suis bourrée tout le temps. Et du coup, voilà, y a des petites cabanes comme ça. Mais après, je vais m'arrêter un peu plus loin. Vous allez voir, il y a des portails avec les numéros des voitures. Donc, c'est des lots. Je ne sais pas s'ils louent ou s'ils achètent les lots, les gens. Hein? Y a quelqu'un? Ouh, mesdames les tops! Ouh, y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y en a des tops dans cette région? C'est impressionnant! T'as vu l'oie, elle reste toujours là comme si elle protégeait ses canards et ses cygnes. Et elle part pas quand je m'approche. Hein? Je vais me faire attaquer. Ah si quand même. Allez, on va tous au bain, moi aussi. Oh, regardez ce qu'il y a là. Ne m'attaque pas toi. Je filme, c'est tout. Je ne le prends pas l'œuf. Petit œuf. Oui, bonjour. Tu veux pas manger l'œuf? Tu t'inquiètes parce que je regarde l'œuf? Mais il fait quoi là, cet œuf? Non, tu vas pas le manger? Il est à qui cet œuf? Hein? Et voilà les amis.
amis, c'est terminé. Oh, j'avais adoré cette visite. J'ai vu plein d'oies, de canards, plein de bébêtes. Comment vous avez aimé